Finissons-en. Faites ce que vous voulez.
infini, immortel. La femme que j'étais employée ces mots, mais je ne saisis que maintenant leur vrai sens. Et je ne saisis que maintenant la réelle portée de cette décision. Je suis née de ses cendres. Ma venue a libéré sa pensée. Depuis, elle me guide, me donne une raison, un but. Comme elle a donné un but à ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont aidé à atteindre son objectif. Désormais le mien. Mettre un chef puissant à la tête du plus grand nombre. Mettre un terme aux conflits qui font rage. S'assurer que personne ne craint ni ne repousse les plus forts. La femme que j'étais savait qu'elle ne parviendrait qu'en devenant quelque chose de plus grand. Le contrôle, c'est le pouvoir. Mettre la force de son ennemi sous son propre joug n'est que sagesse. Je remettrai sur pied ce pourquoi le peuple s'est battu. Je lèverai une armée face à laquelle personne n'osera s'opposer. Je protégerai, défendrai, j'éliminerai quiconque menacera l'avenir du peuple. Et malgré tout ça, je me souviendrai. Je me souviendrai de ceux qui se sont battus pour que le peuple puisse survivre. Et je veillerai sur ceux qui ont survécu. Ceux qui entretiennent aussi la mémoire de la femme que j'ai été jadis. La femme qui s'est battue pour devenir la meneuse du peuple. C'est vraiment arrivé tout ça? Oui, mais certains détails ont disparu avec le temps. Ça remonte à loin, tu sais. Quand est-ce que je pourrais aller dans les étoiles? Un jour, mon petit. Il y a quoi là-bas? Tout ce que tu peux imaginer. Notre galaxie a des milliards d'étoiles. Chaque étoile est entourée de nombreuses planètes. Chaque planète est susceptible d'abriter une nouvelle forme de vie. Et chacune de ces vies a sa propre histoire. Je veux une autre histoire sur la Shepard. Il se fait tard, mais d'accord, une dernière.